J'ai entendu pas plus tard que ce matin que maintenant que les restos sont fermés, les gens vont sur les maisons. Maintenant, moi j'ai tout pris le garage sur la route, J'ai tout pris de me garer vers la rue, mais non, c'était pas. Devant l'entreprise, car ils sont en débrayage depuis mercredi, donc vous êtes conviés à venir participer à ce barbecue pour la modique somme de 2 euros. C'est une histoire de solidarité. Thank you.
Thank you.
entreprise de Cela, on parle moins de la pauvreté qui est en train de s'installer, de la précarité à tous les niveaux. Et je crois que c'est important ce qu'on fait aujourd'hui encore de maintenir la braise. Hein. On a parlé, on était très mobilisés sur la réforme des retraites. On a toujours ça dans un coin de la tête. On est ici pour plus de justice sociale. Et ça, c'est important de le dire. Alors, on était déjà mobilisés la semaine dernière. Je sais qu'il y en a eu sur l'EDF, CGT a appelé aussi. Et puis dans l'éducation, effectivement, le 26, on était déjà mobilisés, comme on l'est aujourd'hui, bien pour dénoncer la politique de ce gouvernement qui, comme on l'a dit, avance masquée, c'est le cas de le dire, parce que derrière les annonces sur la pandémie, eh bien, il continue une politique de destruction sociale. Et on est là pour la dénoncer. Alors quelques chiffres, parce que des chiffres on en a plein, je vais vous en donner, nous, sur l'éducation nationale, concernant notre département, puisque au niveau national, on nous annonce 1880 postes de professeurs du second degré qui sont supprimés. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de pandémie pour l'éducation nationale. D'ailleurs, si vous avez écouté notre ministre, les élèves n'attrapaient pas le virus dans nos écoles, ni dans nos collèges, ni dans nos lycées. Hein? C'est ailleurs et puis le ramener au collège. Ça, c'est le discours de notre ministre. En attendant, Mayotte, c'est l'équivalent d'un collège en termes de postes qui va être supprimé à la rentrée. C'est énorme. Énorme. Alors qu'au quotidien, si vous avez des enfants qui sont encore en scolarité, vous vous rendez bien compte que c'est très difficile pour eux, c'est très difficile pour les enseignants, et forcément, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire un effort. Et nous, on a demandé, comme le plan de relance, un plan d'urgence pour l'école. Je pense qu'il est urgent, comme pour les jeunes, comme pour les étudiants. Les situations sont plus que délicates. Je crois qu'il faut penser à cette jeunesse. C'est eux l'avenir, et on a l'impression que ce gouvernement l'oublie totalement. Ils font partie des oubliés, et ils sont nombreux les oubliés de ce plan de relance. Et bien on est aussi ici pour le dénoncer. Je crois que c'est important de faire savoir, et c'est important d'être là aujourd'hui, et aussi dans le premier degré, puisque la carte scolaire du premier degré nous annonce aussi des suppressions de postes. En tout cas, merci à vous de maintenir ces braises, parce que le feu coule. Merci à vous. Nous parlerons, sont bien entendu dans la lutte de manière continue, puisque les attaques sur les services publics chez nous se traduisent par des réorganisations permanentes. Plus personne ne sait dans quelle entreprise ils travaillent.
Mais c'est pas ça que je voulais parler. Je voulais parler de la mobilisation en général et de ces braises qui couvent et sur lesquelles il faut souffler. Les organisations syndicales, CGT, FSU, Solidaire, mais aussi l'UNEF, l'UNL, MNL et l'ARCIDEL, oui, parce que les jeunes sont aussi impactés par la situation, décident d'impulser un processus de mobilisation par la préservation et le développement de l'emploi et des services publics et contre la précarité. L'année 2020 est marquée par la pandémie et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Celles-ci sont aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse, de la santé, de l'éducation nationale, de l'énergie, des cheminots engagés également pour la défense et le développement du service public. Dans ce contexte, ce n'est pas anodin, les attaques liberticides du gouvernement se multiplient. Nous en organisons, nos organisations, continuent à les combattre. Le plan de relance affiché par le gouvernement n'est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse de l'emploi, de pression sur les salaires, sur les conditions de travail et l'affaiblissement de la protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, notamment la jeunesse, dans la précarité et la pauvreté. Les gagnants sont bien toujours les mêmes. Les entreprises les moins touchées par la crise sont celles qui bénéficient le plus de baisses d'impôts. Ce constat impose de contrôler et de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques. Il faut un véritable plan de relance combinant investissement public massif et soutien des revenus les plus fragiles et des précaires. Pourtant, c'est le chemin inverse que prend ce gouvernement. Rien pour les petits salaires. La ministre du Travail annonce presque comme une provocation de revalorisation du SMIC en dessous de 1% pour 2021. Ce qui fera passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 euros. Rien non plus pour les premiers corvées exposés depuis le début de cette pandémie. Toutes et tous devront attendre une hypothétique négociation dans les sections professionnelles fin 2021. Rien pour les soignants qui dénoncent un plan Ségur au rabais et beaucoup pour de professionnels oubliés. Rien pour l'ensemble des fonctionnaires dont le point d'indice reste gelé. Rien pour le personnel de l'éducation nationale alors que le simulacre de concertation autour d'un Grenelle de l'éducation déserté par la majorité des organisations syndicales est au point mort. 47% des jeunes s'inquiètent pour leur emploi et le taux de chômage des plus jeunes passe à 20%. Le second confinement les a fait plonger dans une extrême précarité. Nombre d'entre eux, dès l'UE, ne mangent pas à leur faim. À cela s'ajoutent les difficultés pour suivre les cours à distance, la peur de l'échec et une détresse psychologique forte. Avec ces mesures insuffisantes, restrictives, incohérentes, le gouvernement sacrifie toute une génération. Pas une journée ne se passe sans qu'une nouvelle annonce de plan de suppression d'emplois, de fermeture d'entreprises, de restructuration, de réduction de services. Les réformes successives contestées fortement facilitent les licenciements et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là encore, ni plan de relance, ni plan de rupture, mais la poursuite du même objectif libéral de casse de l'appareil productif et des services publics. Nous affirmons au contraire que la réponse aux besoins de toute la population et l'avenir des jeunes et la réussite de la transition écologique impose la création de millions d'emplois. Cela se passe aussi par le partage et la réduction du temps de travail. La CGT revendique toujours les 32 heures. Dans le secteur de la santé, par exemple, alors que le gouvernement tergiverse sur les mesures à prendre pour éviter l'engorgement des services de réanimation, ce sont 400 000 emplois à créer dans les hôpitaux. Les maisons de retraite, l'accompagnement des malades et des personnes en perte d'autonomie. Les besoins sont importants aussi dans toute la fonction publique. Il est indéniable aujourd'hui, après la pénurie de masques du printemps dernier, qu'il faut relocaliser une partie de notre production et en particulier notre industrie. Être en capacité de produire des médicaments, du matériel médical et des protections après la période que nous traversons, on ne peut plus faire débat. Merci. L'entreprise de logistique. Donc si toutefois la direction ne trouvait pas un nouveau contrat avec quelqu'un d'autre,
En novembre 2021, l'entreprise fermera. À la personne. Donc ce sont toutes les petites mains qui travaillent au domicile des malades, des handicapés, des personnes âgées. La CGT a fait une demande à tous les conseillers départementaux, à tous les présidents de conseils départementaux de la Bourgogne-Franche-Comté pour demander une prime suite à la crise sanitaire, puisque ce personnel-là est intervenu quand même pendant la crise. Tous les présidents du groupe de conseils départementaux de Bourgogne-Franche-Comté ont refusé de donner une prime à cette branche. Cette branche, vous l'imaginez, très mal payée, avec des conditions sanitaires très compliquées, puisqu'il a fallu nous-mêmes, je dis nous puisque j'en fais partie, acheter nos masques, acheter nos gants et acheter notre gel hydroalcoolique. Les conventions collectives existent, elles ne sont jamais respectées, ou en tout cas très mal. Par rapport à cette branche du particulier employeur, sachez, et là j'attire votre attention, j'attire l'attention de ceux qui discutent, c'est hyper important pour la CGT, on va avoir des élections prochainement pour les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, ainsi que les ASMAT, et ainsi que tout le personnel du service à domicile. Le particulier employeur, donc. Ces élections se dérouleront du 22 mars au 4 avril. Elles concernent 185 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas rien. C'est la plus grosse élection. Même vous qui êtes dans des grosses boîtes, c'est rien à côté de cette élection. Sachez que cette élection pour les syndicats, elle est représentative. Ça veut dire que vont dépendre de cette élection, de ces résultats, les têtes cégétistes que nous mettrons au prud'homme et dans les commissions paritaires. Nous avons comme slogan un syndiqué, trois votes. Tout simplement parce que nous faisons appel à vous qui travaillez dans des grosses boîtes et pas dans des TPE, parce que les salariés des TPE, on n'arrive pas à les toucher, on n'arrive pas à les atteindre. Les ASMAT et les salariés du particulier employeur sont invisibles. Il faut donc qu'on en appelle à vous qui êtes salariés dans d'autres entreprises que des TPE, à faire savoir à votre entourage, vos époux, vos femmes, vos enfants qui sont peut-être en apprentissage et qui auront le droit de voter, que cette élection elle est primordiale. Il y a 4 ans, nous avons pris la tête de cette commission paritaire qui est issue de cette élection. C'est la CGT qui la préside. Et c'est grâce au nombre de votes que nous avions eu. Malheureusement, il a été quand même très très bas. Le pourcentage de votants n'a été que d'à peine 7%. C'est la honte. Donc, à vous, je vous le redirai encore, mais là c'est l'occasion d'y penser. Les électeurs votent par voie électronique et reçoivent chez eux un courrier du gouvernement qui les incite à voter, qui leur donne un code pour voter sur Internet. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a forcément une coiffeuse, un ou une assistante dentaire, quelqu'un qui est en CESU, qui a reçu ses codes, il faut lui en parler. Ouais. Il faut lui en parler chez tous. Il faut absolument que cette fois-ci, à cette élection, à partir du 22 mars, on atteigne bien plus que les 7% de vote. C'est pas possible de rester comme ça. Merci de votre écoute et de votre partage. La suppression de cette génération par travail. Voilà. Donc je rappelle nos revendications de CGT pour la retraite. Pas de retraite à l'heure aussi, qui est moins d'être pas actuellement, mais les membres de CGT qui sont à l'extérieur, là, une pension de réduction à 75% sans production de ressources, la revalorisation immédiate de toutes les pensions, la suppression de la CASA et de la CGT, le rétablissement de la demi-part. Travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus et produire plus. Il faut bien vendre pour acheter, exporter pour importer. L'incitation à l'environnement, c'est important. Pour tout à la mode, tous les gens qui ont le développement climatique, nous avons l'air d'être de nos amis. Nous avons l'air d'être de nos amis, nous avons l'air d'être de nos enfants. C'est pour nous pour 2030, ou bien alors 2050. On va manger de nos patates. Je perturbe ce niveau à tout, comme un fils.
alimentaires, ou soit pour des témoins. Je travaille et voilà, mais c'est tout pour cela. Si t'es pas content, comme dit le président, si t'es pas content, ben viens foutre le camp. Tous les jours, on galère, dans le RER, c'est comme du bétail. On se rend au travail pendant que Nicolas, les soins sont au revoir. On se fait sur les caisses. Merci à vous. Merci à toutes et tous.